Allez, yo le stream, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, bah là, on se retrouve sur Watch Dogs 2, Watch Dogs 2, faut que j'arrête avec Watch Dogs 2. Attendez, on se met juste en mode performance. Oui, je sais, vous voyez mon logiciel de streaming, mais malheureusement, c'est parce que je peux pas me le cacher. En fait, je filme carrément tout l'écran pour pouvoir vous diffuser le Watch Dogs, parce qu'il n'est pas reconnu par Streamlab, je ne sais pas comment ça se fait, donc voilà. Donc Watch Dogs, on en était où? Donc voilà, on était en train d'incarner un jeune agent et qu'il faut remettre la résistance sur pied, parce que là, ça ne va plus. La résistance, là, ça va plus. Bien sûr, on est avec la maman d'Astéria. Salut! Ok. Donc on est là. Ok, c'est parti. Belle voiture. Oh! Merde! Je savais pas que la voiture était occupée. Excusez-moi, monsieur. Aïe, aïe, aïe. On commence fort, là, déjà. Nom de Dieu. Oh, oh. Ok, on est rentré. Agent Astéria, vous êtes là? Ça va pas être facile d'accéder à ce générateur. Ils ont renforcé les protections depuis pourquoi la dernière fois que je l'ai vu. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, ils ont encore marché. Tu pourras en prendre un. Tu piloteras peut-être même mieux que moi. C'est normal que tu es sur l'écran de Start and Zoom? Non, c'est pas normal. Hein. Sur l'écran de Start. Oh là. Mais si. Je peux pas le contrôler. Surtension dans un générateur hybride, ce n'est pas comme de beurrer une crêpe. Il nous faudra des instructions précises. On va aller y jeter un œil. Jette un coup d'œil à ça. Oui, tout à fait. D'après ce que je vois, il y a un code dérogatoire qui nous permettra d'accéder au système du générateur.
Utilisez le code sur le générateur et je pourrai provoquer une surtension. Ça devrait suffire à mettre King's Cross en service. Et tous les chemins de fer aussi. C'est parti. Ok, ça a été surchargé. Saint-Pancras nous a fourni des tonnes d'informations, une vraie mine d'or. Convoi d'Albion, indique, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Camden. Faire capoter les opérations d'Albion et donner aux gens une raison de se soulever, quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux Londoniens que DedSec est là pour eux. On peut dire que c'était une belle impro. Je savais que DedSec était pas comme le dit Albion, et vous l'avez prouvé à tout Camden. Merci. Merci bien. Maintenant que t'as montré à ce quartier ce que fait DedSec, pas mal de gens vont vouloir rejoindre le mouvement. Des gens qui cherchaient un moyen de lutter. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va bientôt te contacter à ce sujet. Il va te perdre son enthousiasme, j'en suis sûr. Y a pas d'examen d'entrée et tout ça chez nous. Dis-lui de nous contacter. Ok, bien joué. D'accord, ok. Ok, on a recruté un nouvel agent. Eh bien, je n'en viens pas que vous soyez toujours c'est en vie. J'avais parié le contraire. Je sais pas, il est un peu bronzé. Donc, là. Vos magouilles de la résistance nous ouvrent une mais nouvelle du coup, source ça d'information. Mais je viens de mettre la main. On voit plus trop passer ce salon là. Sur une pépite du ministère des Affaires citoyennes. C'est un boisier blanc comme des fesses. Les services d'intervention et de renseignement des signaux ou SIRS ont développé une technologie de surveillance appelée C'est Casper là. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Voilà, ça vous apprendra, bande de petits cons, va. Non, mais les gens, ils respectent plus rien de nos jours. Bien, agent Astérien. Il me faut un véhicule, là. On peut encore trouver. C'est bon, j'en ai un. Il y a quelqu'un qui l'a laissé là. Ouais, d'accord. Thank you.
Si vous vous sentez débordé ou que vous voulez souffler un peu, n'hésitez pas à passer la main à l'une de vos nouvelles recrues. À vous de voir. À une de nouvelles recrues. Non. Je n'ai pas besoin de nouvelles recrues. Okay. Nom de Dieu. On y est. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Celle que t'as recrutée, elle est où ? Un relais de données que je prélève. Ton noir ? Je sais pas les zone. Il t'a pas suivi ? Vous avez entendu ? Merde. Génial les recrues, hein. Je te suis même pas. Ok, on avait un nouveau site. Il va falloir être prudent. Pousse-toi, toi. Ok. Ok. Oh, 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 je suis désolé. Oh, putain. Oh, putain. Aïe. Je me suis fait déglinguer. Oh, ils sont vénères. Bon. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je me demande, il est où, t'as recruté. Ok, c'est bon, attends, t'inquiète. Il ne sert à rien. Soyez tranquille. Si vous vous sentez débordé ou que vous voulez souffler un peu, n'hésitez pas à passer la main à l'une de vous. Nouvelle recrue, à vous de voir. C'est ça l'avantage de travailler ensemble plutôt qu'en solo. Mais les tenues, c'est chiant que ça soit pas plus personnalisable parce que franchement, c'est... il est habillé comme un plouc là, moi j'aime pas. Peut-être un peu plus tard dans le jeu, peut-être que c'est des trucs qui se débloquent et tout. C'est barré, merde. Passe au plan B. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Merde, c'est génial. Vous avez raison, il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zero Day. Mince, je n'arrive pas à cloner ce truc sur nos serveurs. Ok, accédez au réseau ici, qu'on voit à quel endroit nous pourrions en voler un.
hub CityOS localisé. Ah ah, les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG, et je leur ai piqué le manuel d'installation du système. Alors profil bas, vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag. Alors, Bagley, comment on va faire exactement pour voler cette technologie qui a l'air trop cool? Le programme est hébergé par un serveur situé sur le toit du QG des Sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau DedSec et cloner ma propre version. Attends, un serveur, c'est énorme. Comment tu veux que je le descende du toit? Désolé pour la question débile, mais c'est quoi une tâche pesante? Et où je peux trouver cette personne? Allez, on enfile sa casquette de réflexion intense. Qui à Londres pourrait bien avoir accès à un drone de chantier? Pourquoi pas des ouvriers sur un chantier? Merci, Bagley. Maintenant, ferme-la, s'il te plaît. Ce n'était pas si difficile, si? Il y a un chantier de construction en cours pas très loin. Sans trop m'avancer, je dirais que vous devriez y trouver des ouvriers. C'est un truc d'Albion. Je vous envoie les coordonnées. Mais c'est quand même sale. Attends, ouais, on recrute un ouvrier dans le bâtiment, ok. Désolé, je sais pas encore conduire. Oh là là, c'est la police, vous inquiétez pas. Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. Son profil a l'air prometteur. Salut, mes couilles. C'est vraiment dégueulasse. Si tu t'arrêtes pour me taper la discute, ils vont te ficher. Mais on peut pas accepter ça. Tu fais partie de DedSec, non? Tu pourrais peut-être m'aider. Ouais, peut-être. Il s'agit de quoi? J'ai eu un accident de voiture et j'ai fini à l'hôpital. Mais j'avais pas les moyens de payer les frais médicaux. Alors le clan Kelly a proposé de m'aider. Et maintenant, je leur dois un gros paquet de fric. Si vous arrivez à me sortir de là, je vous le revaudrai. Cool, cool. On s'en occupe. Ok, on s'en occupe. Si on ne fait rien, le clan Kelly va user notre nouvel ami jusqu'à la moelle. Ce chantier sert à blanchir l'argent d'une section du clan Kelly opérant à Camden Market. C'est là que doit être stockée sa dette. Ok, c'est bon. Kelly ont complètement contaminé le marché. C'est un vrai cancer, cette histoire. Vous cherchez un terminal ou un genre d'appareil sur lequel le clan Kelly stocke soigneusement ses registres de dettes. Vous n'avez pas le bon outil pour travailler? Vous pouvez échanger votre gadget contre un autre plus approprié à la situation. On peut recruter les gens? Les drones... T'en fais voir. Tu sais ce qui est vraiment dégueulasse? Si tu t'arrêtes pour me taper la discute, ils vont te ficher. Mais on peut pas accepter ça. C'est DedSec qui t'envoie? Parfait. J'essayais de vous contacter. J'ai des infos qui pourraient vous intéresser. Continue. Alors il y a quelques semaines, je pouvais plus entrer au bureau. Et en fait, j'étais loin d'être la seule. Toute ma division s'était fait remplacer d'un seul coup.
Putain, je suis désolé, c'est affreux. Je sais, mais je m'en sors pas si mal. Par contre, je suis pas folle, c'est bizarre comme situation, non? Je veux dire, on avait de la bouteille. On était les meilleurs dans notre domaine. Et ils nous remplacent comme ça du jour au lendemain? C'est absurde. Ok. Donc tu veux que DedSec enquête sur votre remplacement, c'est ça? Oui, exactement. Aide-moi. Et je te revaudrai ça. Ouais. Vous pouvez effacer toutes les occurrences de sa dette. Vous tirerez notre nouvel ami de la panade financière et surtout des griffes du clan Kelly. Magnifique. Chef a fait bêtise. Art de porter putain. Sauce piquante, ça. Faut que je passe la porte, ok. Stop.
T'as de la chance, t'es pas tué comme les autres, toi. Terminé. Allez, go. C'est quoi cette touche?